Comme vous voyez, on est sous la serre, dans la pépinière. Ici, on a deux systèmes aquaponiques, sauf qu'on n'a pas encore les poissons. On n'a pas encore mis les poissons. Mais là, comme vous voyez, c'est un bac avec de l'eau, une pompe et un autre bac en haut avec du gravier. Et on met les plantes dedans directement. Ce qui se passe, ben, l'eau elle est pompée du réservoir en haut ici par un système d'irrigation. Et après, ça redescend. Les plantes filtrent l'eau et ça revient aux poissons. Et les poissons aussi, ils dégagent pas mal de bonnes choses pour les plantes. Alors là, on a les bok choy. OK, on a plein de bok choy ici. Kale. Kale, ça, c'est une très bonne plante. On a de la moutarde japonaise. Ici, on a de la courgette du Liban. Ici, on a du concombre. Alors voilà, et les semences qu'on a décidé de choisir, c'est des semences paysannes, c'est des semences bio. Pour le système, on met des poissons ici, on a la pompe. Vous pouvez mettre la pompe sur un minuteur, chaque 2 heures elle est on, après elle est off, chaque 2 heures. Sinon, vous pouvez juste l'allumer le soir pendant 12 heures et le reste de la journée, ben, vous mettez une pompe à air. Vous pouvez lancer le système pendant un mois sans poissons, après quand vous intégrez les poissons. Et là, le système va prendre 2 autres mois pour se stabiliser. Le pH va bien se stabiliser, on va dire entre 5,5 et 6,5 en pH. C'est le pH parfait pour les plantes. Ceux-là, ils ont un rendement très très rapide. Ça veut dire en 45 jours, on a déjà de la récolte. Alors vous pouvez mélanger. Combiner les plantes entre des plantes qui prennent longtemps et des plantes qui vont assez rapides. Et après, bien sûr, on va récolter les verdures là qu'on a et les autres, elles vont continuer. Après, on va faire un autre cycle de verdure et voilà, peut-être 2 cycles de verdure pour un cycle de choux, chou-fleur ou courgettes. Là, on est en train de reprendre la biodiversité en intégrant les poissons, l'eau, la terre, le vent. Voilà les éléments, le soleil, les éléments qu'il y a pour qu'on ait un beau jardin. La pépinière, elle est déjà sur un axe nord-sud-est-ouest. Le soleil il se lève de là-bas, il se couche d'ici et les plantes, ils ont du soleil toute la journée. Alors voilà, là on a des tomates bio, des tomates cerises, regardez, elles sont toutes petites. Alors on va chercher une ici, voilà, on la voyait, on va la prendre. Et voilà. On va la manger. Très bon.